Fed Moussaïf. Je suis accompagnée de 3 autres startups et on est des startups accompagnées par Orange Starton. On a été invité au Women in Africa Summit parce que aujourd'hui, une startup a plus besoin de réseau qu'autre chose, a plus besoin de clients qu'autre chose. Donc on est là pour nous enrichir, connaître de nouvelles personnes qui peuvent et supporter nos startups et peut-être être des clients potentiels. Donc voilà. Ok. Bonjour, Marie Venis, fondatrice de Marketface. On était invité par Orange pour participer à cet événement Women in Africa. C'est une opportunité pour nous de rencontrer les femmes entrepreneuses et influentes qui viennent de partout en Afrique. Et c'est vraiment une occasion à... Non, oui. À ne pas rater. Désolée, c'est pas grave. Coupé, donc je passe. Je présente. Vraiment une occasion pour élargir notre réseau et de promouvoir notre image de marque. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis Amel Kenzari, cofondatrice d'IDIR. Et on est invité par Start on Orange, effectivement, pour élargir notre réseau, pour rencontrer d'autres gens qui peuvent être des partenaires, des futurs partenaires ou des futurs clients. Et donc, on est là pour saisir l'opportunité donnée par Orange Mar. Bonjour, Rital Kasri, cofondatrice de United Coin. Une plateforme qui démocratise les paiements internationaux, basée aux États-Unis, mais aussi avec un pied à terre au Maroc. On a été invité par Orange Maroc à Women in Africa, une opportunité pour élargir le réseau et aussi rencontrer de potentiels investisseurs et clients. Bonjour, c'est Soukena Siyuri, en fait CEO de Sotinor et porteuse de projet Schoolify. Je fais partie de l'équipe Start On et on a été invité par Orange pour cet événement qui nous a permis bien sûr de rencontrer des femmes africaines, des entrepreneuses, aussi d'élargir notre réseau.